Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui au programme de la bombe, de la bombe, de la bombe, de la bombe de peinture. La bombe de peinture, c'est un média que j'aime vraiment énormément. Et j'ai eu la chance que le copain Issam se débarrasse de ce que lui appelle des culs de bombes, c'est-à-dire des bombes qui ont déjà été utilisées, un petit peu ou beaucoup. Il en avait plus d'une centaine et j'ai réussi à en récupérer quelques-unes. Quand je dis quelques-unes, c'est presque 100. Et bien sûr, mon OCD s'est mis en route et je me suis mis en devoir de les classer. Alors le but ici de la vidéo, c'est pas parler de comment classer par couleur des bombes, parce que ce serait complètement débile. Mais justement, à quoi servent ces bombes, quelle est leur utilisation et pourquoi c'est génial pour moi d'avoir reçu ce spectre de couleurs de bombes. Ça va me permettre de faire énormément plus de choses. En général, des bombes, j'en ai des oranges et violettes pour pouvoir marquer mes outils. Et aussi, j'ai des couleurs de base. J'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du rouge. Tout ça, tout ça. Là, ça va me permettre d'être un tout petit peu plus créatif. Et en particulier, avec des couleurs connexes, de pouvoir faire des dégradés, des couleurs complémentaires, etc., etc. Ça va me servir sur des petits projets. Ça va me servir sur des projets un peu plus gros. Et avoir accès à ce genre de matériel, c'est vraiment génial. Alors, ça demande un peu de boulot pour justement pouvoir les classer, les récupérer, les stocker, etc. etc. Mais ça me donne cette possibilité de pouvoir faire énormément de choses avec. Donc déjà, super big up à Monsieur Issam. Et puis, là, je commence à les ranger dans des cagettes. Donc j'ai 4 cagettes qui, je pense, contiennent à peu près 25 bombes. J'ai pas compté, en fait, donc j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça me permet, en un coup d'œil, de pouvoir choisir la couleur qui me plaît ou les couleurs qui me plaisent et de pouvoir faire des choses avec. Les bombes, j'en ai déjà parlé, les bombes de peinture, c'est un média que j'utilise beaucoup. C'est quelque chose qui est vraiment génial à utiliser, que tous les makers devraient maîtriser. Peut-être que je vais faire un mini-épisode un jour sur comment utiliser vraiment des bombes, savoir choisir les bons caps, etc., etc. Je suis pas un spécialiste, il y a des gens qui sont des graffeurs professionnels dont c'est la spécialité, mais moi en tout cas j'en ai une utilisation pour les makers. Et voilà, j'ai à ma disposition tout un tas de bombes super géniales avec des couleurs peu habituelles pour moi, ce qui va me permettre de sortir un peu de ma zone de confort de couleurs et de pouvoir faire plein de trucs bizarroïdes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire chier des gens pour voir s'ils n'ont pas des trucs à vous donner, que potentiellement ils balanceraient à la poubelle et qui pourraient vous servir. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt, que la barbitude soit avec vous.